voit bien que les comportements changent quand on se sent espionné, quand on se sent surveillé, ou par opposition, quand on ne peut plus bénéficier de cet anonymat qui fait partie directement de la protection de notre vie privée, comme il fait partie de la liberté d'expression. Donc c'est cet ensemble de facteurs qui fait que l'on a tous besoin d'une protection forte de la vie privée. C'est tout ça ensemble qui fait que la protection de la vie privée est une liberté fondamentale. Tout commence par la peur du peuple, prêt à sacrifier sa liberté. Quand la propagande de l'État sur la sécurité fait son entrée, tout le monde est suspect, tout le monde est considéré comme un potentiel terroriste que la législation autorise à guetter des passes. Na, figure aux cartes bleues NFC, de l'opérateur téléphonique au fournisseur d'accès, numéro GSM, liste des sites consultés, position GPS au stocker et libre d'accès. De la surveillance passive, tes coups de tes goûts, ta couleur, tes soucis, tes coups de colère, les coups durs de la vie, écoute. Facile de retracer ta route, ton jardin secret est devenu jardin public, ça ne fait aucun doute. La surveillance intrusive est le fruit de cette machination, une simple appli peut de tes contacts révéler les informations d'un messenger qui a accès à tes SMS jusqu'à une capture d'écran avant que la photo ne disparaisse. Secret mais quelle protection des articles de presse, confidence ou révélation que l'on confesse. Un défaut intime, une peur inavouée, bientôt tu les laisseras lire dans tes pensées. Big Data est le king, crois-moi. Si c'est gratuit, c'est toi le produit, Freda. Obstacle est dans les hauts fermés, j'entends toujours cette phrase. Rien à cacher, donc rien à craindre, pris en cœur par les miens pensants. La propagande du troisième Reich demeure après 75 ans. Joseph Goebbels en est l'auteur véritable. Aujourd'hui encore, elle nous fait accepter l'inacceptable. Boum! Si t'es du genre partager tes humeurs, quand tu n'as de secret pour personne, même anonyme, que tu n'as pas pudeur. Sache que tout le monde change de comportement quand il se sent surveillé. Le droit à l'erreur bafoué, l'intimité pue. Nous voulons avoir accès aux ordinateurs. Nous voulons aller sur Skype, par exemple. Vous avez un téléphone portable avec vous? Non. Les téléphones portables ne sont pas un outil totalement sécurisé. Pas le time pour t'expliquer en détail. Il y a beaucoup de choses à savoir sur le sujet. J'aime écouter les discours de Benjamin Bayard qui veulent apprendre conscience de la surveillance généralisée. Comme je révise, mes mains défendent le droit à la vie privée. Bien les gens sont au courant des piquages de la RSA. Mais l'addiction à la technologie, c'est la conscience prend le pas. Les lois Snowden a prouvé que notre vie est ce disque dur. Et on l'a accepté pour ne pas lâcher nos gadgets du futur. Au nom de la sécurité, de la liberté qu'ils éliminent sans que nous puissions tester. Il y a 2000 personnes qui sont pistées, mais les vrais droits sont vraiment ciblés. Yo, secret médical, protection des indignes de presse.